Bienvenue chez Christel qui se situe à Fesches-le-Châtel. Je suis Emmanuel Brugère, directeur général, et je vais vous parler du pas de plus que j'ai fait pour ma société. La société Christel fabrique et commercialise des articles culinaires inox haut de gamme. Et c'est ici qu'est née la première casserole emboutie au monde. Et on a encore un exemplaire dans le hall d'entrée de notre usine. Les bonnes pratiques sont légion puisqu'on a cette volonté de réduire notre impact environnemental depuis plus de 40 ans. Ça va être l'utilisation d'une boucle fermée sur le process de fabrication au niveau de l'eau. Ça va être de l'énergie et de l'électricité qui est issue de sources renouvelables. Ça va être le tri des déchets, ça va être le rechappage de nos revêtements anti-adhérents. Ça va être la récupération de chaleur des compresseurs pour chauffer les ateliers. En 2016, on a installé une ligne de dépôt de revêtements anti-adhérents et on n'a pas trouvé à ce moment-là de solution de récupération de la chaleur fatale parce qu'on ne pouvait pas se résoudre à avoir un four qui chauffait à 600 degrés et avoir les calories chauffer les petits oiseaux qui n'en avaient pas besoin. Donc, ne trouvant pas de solution, on a installé notre ligne comme ça et puis on a continué à chercher. Il y a à peu près 3 ans qu'on a trouvé la société Ananke, qui fait d'ailleurs partie de la communauté du coq vert et qui propose des solutions de récupération de chaleur fatale qui sont adaptées à des petits gisements et qui permet de récupérer la chaleur fatale pour en faire soit de l'électricité, soit de l'air comprimé. La récupération de chaleur fatale, c'est un principe qui est basé sur un échangeur sur les cheminées et en l'occurrence cet échangeur va alimenter un moteur qui est un moteur particulier, un moteur Ericsson, qui lui va permettre de fonctionner par un principe de compression-décompression des gaz et derrière de faire fonctionner derrière ce moteur un compresseur qui lui va nous fournir de l'air comprimé. Donc qui va soulager nos compresseurs existants, donc baisser notre consommation énergétique. L'évolution du coût des énergies nous donne encore plus raison aujourd'hui puisqu'on a un retour sur investissement attendu entre 5 et 6 ans. C'est-à-dire qu'on économise par cette installation la consommation annuelle de 13 ménages. En fait, le premier pas à faire pour faire de la récupération de chaleur fatale ou pour optimiser son système thermique et énergétique au sens large, c'est de prendre un rendez-vous avec une entreprise qui a ses compétences justement d'analyse et d'expertise et qui pourra vous accompagner sur les gisements potentiels, sur le retour sur investissement et puis sur les adaptations du process de fabrication si ça en nécessite. Et après, vous ferez les choix à la fois sur l'incidence sur le process et en même temps, bien évidemment, financier pour ce qui est adapté à votre entreprise. Mais en aucun cas, c'est une imposition de qui que ce soit. Vous restez décisionnaire, mais il suffit d'avoir les propositions en face.